l'ennemi. Sortez-vous de là. La résurgence est sur le point d'être désactivée. Profitez-en. On a besoin de reconnaissance. Vous êtes dans le top 10, ne relâchez pas vos efforts. Rappel anti-hostile imminente. Le gaz se déplace. Let's go, les 17 kills, mon record, let's go, wouhou! Et yo les petits potes, aujourd'hui, pour changer, j'ai joué méta, contrairement aux anciennes vidéos ces derniers jours où je jouais des armes un peu off méta. Là, j'ai voulu jouer pour moi ce qui me semble être la méta actuellement sur Rebirth Island, c'est-à-dire HRM9 RAM 7. Donc pour la classe de la HRM9, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais la voici, on met le compensateur réducteur de flash M35 en bouche pour la compensation du recul. Hein. On met le canon Thorn 90 pour tout ce qui est portée de dégâts, vitesse des balles, les munitions à grain élevé pour optimiser cette portée de dégâts et cette vitesse des balles, le maximum de cartouches, c'est-à-dire 50, et une crosse pliante
pour tout ce qui est contrôle du recul, et franchement, elle fait mal. Pour la RAM 7, je joue solo, mais j'ai quand même mis le maximum de cartouches parce que elle est moins forte qu'avant. Comme je joue la mire, j'ai envie de vraiment d'être à l'aise. Mais c'est vrai qu'en solo, on pourrait peut-être aller sur le 40. Donc c'est vraiment une arme qui a un contrôle qui est facilement gérable hein, si on met donc les quatre autres accessoires qui sont le canon long Cronen Headwind, la poignée lourde de soutien Bruen, le même compensateur que la RM9, c'est-à-dire le compensateur réducteur de flash ZEM35, et le coussinet de recul HVS 3.4. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.